Windsor s'apprête à célébrer une autre union royale. Au cours du printemps, Lady Gabriella Windsor épousera Thomas Kingston. Un événement qui se déroulera au château de Windsor, le lieu au sein duquel Meghan Markle et le prince Harry s'étaient mariés en 2018 ainsi que la princesse Eugénie et Jack Brooksbank en octobre. Si est-il le 18 mai que les deux tourtereaux se diront oui. L'an dernier, si est-il le 19 mai que Meghan Markle s'est mariée au prince Harry. Une chose est certaine, le troisième samedi de mai est une date prisée pour les mariages royaux. Beaucoup de personnes de la famille royale pourraient manquer cet événement. Richard Fitzwilliam avait déclaré à l'Express que les membres importants de la famille royale étaient déjà absents du mariage de son frère, Lord Frederick Windsor, avec l'actrice Sophie Winkelmann en 2009. Ainsi, Kate Middleton, Meghan Markle et le prince Harry ainsi que la reine Elizabeth ne devraient donc pas s'y rendre. De plus, Meghan Markle donnera très prochainement naissance à son premier enfant. Un constat qui ne devrait pas inquiéter les deux futurs mariés qui ont prévu de se dire oui au cours d'une cérémonie très intime. Il y aura uniquement la famille, et des amis proches, révélait une source proche du couple, comme le rapportait Hello Magazine. À propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien Danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter la veine tour Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.